Y a-t-il un problème? Ah non, pas du tout. J'essaie juste de... J'essaie juste de me rappeler la destination. Ouais. La cité de Rockview. Oh, ouais, la cité de Rockview. Ouais, ça me revient, c'est vrai. J'avais un peu oublié. Saviez-vous que vous êtes la plus belle créature qui ne soit jamais entrée dans ma voiture depuis que j'ai commencé ce job? Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à dîner. Dans le meilleur restaurant. Ouais. Oh, vraiment? Oh, alors, ça fera combien? Comme je l'ai dit plus tôt, vous ne payerez rien. Je veux juste que vous fassiez un truc pour moi. Et qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, donnez-moi juste votre numéro et je serai l'homme le plus heureux. Pourquoi devrais-je vous donner mon numéro? Je veux juste être votre ami. Vous n'avez rien à craindre, croyez-moi. Je veux juste communiquer avec vous de temps à autre, s'il vous plaît. Vous savez, j'aime pas quand les gens m'agacent avec des appels inutiles. Ok, ok. Je vous promets de ne pas vous déranger avec des appels inutiles. Voilà. Nancy. Alors, je vous fais un bip et vous enregistrez mon numéro. Je D'accord, ferai. Prenez soin de vous. Merci. D'accord. Bye bye. Bye. Salut Walter. Bienvenue. J'espère ne pas t'avoir fait attendre longtemps. Oh non, pas vraiment. Ok. Pendant un moment, j'ai cru que tu ne viendrais plus. Comment ça? Non, ne prête pas attention. J'ai pensé juste à haute voix. Merci d'être venu. J'apprécie réellement. Je t'en prie. Serveuse, venez s'il vous plaît. Ah. Tu es vraiment très belle. Merci. Et tu n'es pas mal non plus. Bon après-midi. Bon après-midi. S'il vous plaît, puis-je avoir un verre? D'accord. Et j'aimerais avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît. De l'eau fraîche. Merci. Je dois avouer que je me sens comme Monsieur Afrique. Merci d'être venu. Je t'en prie. J'apprécie. T'en prie. Alors, tu vas bien? Oui, bien sûr, je vais bien. Juste que ce beau visage m'a manqué. Oh, quelle soirée! Tu sais, vraiment, je me suis amusé. C'était génial de sortir avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Ouais, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie vraiment. Je t'en prie. Ça te dirait un autre rencard? Bien sûr, quand tu seras libre, sans précipitation. Bien sûr. D'accord. Pas de problème. Merci. Et aussi, j'aimerais te poser une question. Ok, vas-y. Désolé d'abord si ma question paraîtra un peu indiscrète. T'es en couple? Quoi? Je te demande si t'es en couple. Eh bien, je ne suis pas en couple. Vraiment? Tu n'es pas? Non. Ok, bien, ok. Ok, ok, autre chose. J'aimerais te demander, s'il te plaît, peux-tu être ma petite amie? Écoute, Nancy,
Je suis vraiment intéressé par toi. Oui. J'ai perdu le sommeil depuis que j'ai fait ta rencontre. Ok. Juste donne-moi du temps pour y réfléchir parce que on vient juste de se rencontrer. Donc, je dois te mettre au clair avant de te donner une réponse. Ça te va? Oui, bien sûr, ça me va. Tant que ça ne te dérange pas, ça me va, ça me va. Ok. Alors, merci alors, une fois de plus. Oui, merci pour le dîner, je me suis très bien amusée. Content, ça t'est plu. D'accord. J'en suis ravie. Ok. À la prochaine fois, ok? Chérie, pourquoi est-ce que tu te précipites comme ça? Papa, j'ai un entretien ce matin à 8h et j'ai un peu trop dormi. Mais il n'est que 7h30 du matin. Je sais, papa, s'il te plaît, je te vois plus tard. Ah, j'espère qu'elle va réussir. Salut. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, les contrats, y a-t-il un problème? Je bosse ici. Vraiment? Ouais. Je suis venue pour un entretien, mais cette femme ne m'a pas laissé entrer parce que j'ai 10 minutes de retard. Je lui ai dit qu'il y avait un embouteillage fou en chemin, mais elle ne m'a pas écouté. C'est Mademoiselle Zalabi? Je ne connais pas son nom, mais c'est la directrice des ressources humaines. Mademoiselle Zalabi, elle est dure, je vais l'appeler. Salut, salut, bonjour madame. Ouais, ouais, je vais bien. Une amie à moi venait juste d'arriver au bureau pour un entretien, mais vous ne l'avez pas laissé entrer. Oui. Nancy. Nancy, oui, c'est elle. Allez, mademoiselle Zalabi, voyons. Il y avait des embouteillages, elle m'a dit qu'elle est en période menstruelle. Vous savez comment ça marche? Je comprends, je vais la renvoyer. Ok, je vous dois une. Ok, bye. Oui, je suis en route pour le boulot. Tout à l'heure, bye. C'est je réglé, peux y aller. Ouais. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, merci, je vous merci. En prie. Un instant. Salut. Salut. Salut, désolé. Ça a été? Je pense que oui, ouais. Donc je reste optimiste. Non, je vais jeter un mot pour vous. Ok, merci. Merci, monsieur. Je n'ai pas saisi votre nom. Franck. Ok. Merci, monsieur Franck. Ok. Alors, qu'est-ce que je vous dois? Un déjeuner. Un déjeuner? Je peux le faire. Vraiment? Oui. Maintenant? Ouais, c'est l'heure. Ok, on y va. Ouais. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne veut pas une promotion? C'est tout, mademoiselle Zalabi. Vous êtes sérieux? Je vous dis la vérité, elle est entièrement dévouée à son c'est travail. C'est drôle. Je elle peux imaginer. Elle a envoyé tellement de gens. Mais pourquoi fait-elle ça? Elle est très dure. Ah, le truc, c'est que son mari l'a quittée pour une plus jeune. Peut-être c'est ça la raison, je ne sais pas. Oh.
Merci. Pourrais-je avoir une bouteille de vin rouge, s'il vous plaît? C'est d'accord, monsieur. Avez-vous du poulet grillé? Oui, monsieur. Ouais, je vais en prendre avec la salade. La même chose. Vraiment? Oui. Ok. Quoi? Je me plains déjà du fait que la bourse soit chère ici et vous commandez une bouteille de vin. Non, je ne peux pas me permettre tout cela. Relax, n'allez pas vous laisser payer la facture pour commencer. Je prends la facture. Donc, relax, mangez. Donc, vous vous foutiez de moi? Eh bien, disons que quand vous aurez le job, vous allez me rembourser. Quand? Pas si j'obtiens le travail. Vous avez l'air si certain. Je dois juste passer un ou deux coups de fil. Un ou deux coups de fil? Merci. Merci beaucoup. Donc, pourquoi notre entreprise? J'aime beaucoup cet emplacement et j'ai beaucoup entendu parler de votre compagnie. Ah ouais? Oui. Pourquoi est-ce que j'ai les papillons dans le ventre chaque fois que je pense à lui? J'espère juste qu'il n'est pas marié, qu'il est dans une relation sérieuse. Non, c'est... Regarde comme tu craques une personne que tu as rencontrée aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Je pense que je suis... Je pense que je l'aime bien. Je l'aime. Oui, c'est vrai. J'espère juste que c'est pareil pour lui. J'espère qu'il m'aime bien lui aussi. En parlant du chat. Hey, bonsoir. Hey, comment tu vas? Bonsoir. Je vais bien. Wokoma. Attends, quoi? Comment tu m'as appelé? Wokoma. Wokoma. Tu parles de moi? Ça ne te plaît pas? Oh, si, c'est cool. C'est cool, ça va. Merci beaucoup pour ta gentillesse. Je suis vraiment reconnaissante. Non, c'est bon. C'est bon, ce n'est rien. Alors, comment était ta journée? Bien. C'est juste que... Juste que quoi? J'ai hâte de te revoir. Oh, vraiment? Pareil pour moi. Vraiment? Ouais. J'arrive! Bonjour. Jolie fille, comment tu vas? Je vais bien, merci. Waouh! Comment ça va? Je vais bien, et toi? Bien, allez, assieds-toi, assieds-toi, là où tu veux. Eh bien, tu veux boire quelque chose, du vin? Du vin, ça ira. Du vin? Parfait. Oui. Ouais. Allô? Salut, ma belle. Salut, Walter. Bon après-midi, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Je vais bien, juste que ton joli visage me manque. En fait, je t'appelle juste pour savoir si t'as déjà une réponse par rapport à ce que je t'ai dit. Est-ce qu'on peut se voir ce soir pour en discuter? Ok, ce soir, quand je pourrai, je vais t'appeler pour te notifier le lieu du rendez-vous. Je vais t'appeler. Oh, ok. Prends soin de toi. À plus tard. Ok, et toi aussi. Ouah. Désolé, j'ai eu du mal à ouvrir la bouteille. Ok. Merci. Welcome. À chaque fois que tu m'appelles de la sorte, j'ai l'impression d'être 10 fois plus grand. Eh bien, welcome. Santé. Santé. Écoute, tu dois te le dire, ok? Je me sens comme un adolescent qui voit son coup de cœur du lycée. Je te veux dans ma vie. Comme en tant que ma copine. L'amour de ma vie, je veux dire mon amour. Ok. Ouais? Oui. Est-ce que t'as faim? J'ai du poulet frit. Ok, d'accord. Ouais. Bien sûr. Ok.
Hey, Walter. Hey. Bonsoir. Bonsoir. Allez, viens. Pourquoi voulais-tu qu'on se voit ici? Pourtant, il y a plein d'endroits magnifiques où on aurait pu parler. Je sais, mais j'ai juste préféré qu'on ait cette discussion ici. Ok, ok. Si tu insistes, pas de problème. Ok. Walter, je vais essayer d'aller droit au but, d'accord? Ok. Vas-y, sens-toi libre, t'inquiète pas. Je ne sais pas comment te le dire, mais... Nous ne pouvons pas être ensemble. Je suis désolée. Je suis désolée. Alors, est-ce qu'on peut être amis? Attends, attends. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne peut pas marcher, toi et moi? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Je ne te plais pas assez. Tu me plais. Tu me plais, Walter. C'est pour ça que je demande si on peut être amis. Mais non, voyons, Nancy. Je veux plus que de l'amitié. Je ne veux pas être ton ami. Je rencontrerai quelqu'un d'autre. Je suis intéressée par quelqu'un d'autre. Et tu m'as demandé... Oui. Et tu as demandé... Quand je t'ai rencontré, tu m'as fait comprendre qu'il n'y avait personne dans ta vie. Que tu n'étais pas dans une relation. Il n'y avait personne en ce moment, Walter. Il n'y avait vraiment personne. J'étais célibataire. Mais j'ai rencontré cette personne et l'attirance a été instantanée. Je suis vraiment désolée. Mais je t'aime, Nancy. Qu'en est-il de mes sentiments? Et d'ailleurs, je t'ai rencontré le premier. Je t'ai aimé le premier. Tu te fous de ce que je ressens? Que fais-tu de ça? Oh non, Walter, c'est pour ça que je te demande qu'on reste amis. Je suis désolée. Je suis désolée. J'aime vraiment, vraiment cette personne. Je suis désolée. Vraiment désolée, Walter.
Tu me plais. Tu me plais, Walter. C'est pour cela que je te demande si on peut être amis. C'est qui cet idiot dont elle est en train de parler? Qui vient jusqu'à m'enlever ma copine? Oh, mon Dieu. Vraiment? Ouais. Mais oui, c'est une très bonne nouvelle. Oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une... Oui, oui. Oh, merci beaucoup pour le coup de fil. Cela m'envoie ravir. Ok, ok, j'y serai demain, oui. J'y serai demain à la première heure. Oui, bye, bye. C'est quoi la bonne nouvelle? Oh. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Devine. Devinez quoi? Bébé, devine. Dis-moi, je ne peux pas deviner. Mon visa est sorti. Ton visa? Oui, mon visa, je viens de recevoir un appel. Je ne comprends pas, tu ne m'as pas dit que tu avais demandé un visa. Je ne te l'ai pas dit? Non. Bien sûr que je te l'ai dit, quand on était près de la piscine, je t'ai dit que j'avais hâte d'aller au Canada. C'est tout ce que tu as dit, tu ne m'as pas dit que tu avais déjà fait une demande. Ah, je suis désolé, ça a sûrement dû m'échapper. Désolé, bébé. Alors, combien de temps comptes-tu faire là-bas? Je ne sais pas, je vais dire, j'y vais pour un master. Et je compte y travailler aussi. Non, bébé, ne sois pas triste. Tu me demandes de pas être triste alors que tu me laisses ici? Je ne te laisse pas ici. Je veux dire, techniquement, oui, mais c'est juste pour un temps. Quand je commencerai à travailler, je vais te faire venir. Mm-hmm. Bien sûr. Quand ma situation sera stable, je vais te faire venir. Tu en es sûr? Quoi? Mais bien sûr. Comment pourrais-je laisser tout ça ici? Quand je me serai bien installé, je te ferai venir. Ok. Ok? Viens là, écoute, je dois l'annoncer à papa et maman. Je vais me chercher, d'accord? Très bien. Je suis là. Donne-moi un instant, j'arrive. Est-ce qu'il pleut? Il pleut, chérie. Une pluie de bénédiction, vraiment. N'est-ce pas? D'accord. Coucou, papa. Coucou, maman. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Salut, papa. Salut, maman. Bienvenue, mon chéri. Comment tu vas? Je présente Nancy, ma copine. Waouh. Wow. Asseyez-vous donc. Merci, maman. Asseyez-vous. Franck, elle est magnifique. Merci, maman. Je savais que tu avais l'œil pour les bonnes choses. Eh bien, tu sais... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que les chiens ne font pas de chat. Oh, papa. Il a pris ça de moi. Tu sais que j'avais l'œil pour les belles femmes. Oh. C'est pour ça que je t'ai épousé. Oh, papa, wow. Je suis traumatisé. Où est Walter? Je crois qu'il est en haut. Ah. Hé, Wati, comment tu vas? Je demandais juste après toi. Ah, je cool, mec, quoi de neuf? Walter? Nancy. Vous vous connaissez? Oui, il me conduit très souvent quand je vais au travail. Ok, d'accord. C'est mon frère. C'est la fille dont tu m'as parlé? Oui, frangin. Regarde ce spécimen. Sois la bienvenue. Merci. Excusez-moi. Allez, t'en fais pas. Hein? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Oh non. Ah, maman, tu peux me faire ta sauce, s'il te plaît? Wow. D'accord, pas de souci. Dis-moi juste ce que tu veux. Et je te l'apporte aussi. Okay. Ouais. Ouais. Franck m'a tellement parlé de votre cuisine. Mmh. Wow. Merci. Je suis là pour la fond. Je suis là pour la sauce à fond. Alors, qu'attends-tu? Va le cuisiner ta sauce. À... Tu m'excuses. D'accord, maman. Tellement chaud. Je merci. Sais. Sois bienvenue. Alors, papa, comment tu vas? Ah, tout va bien. Tu restes le long du sucre, j'espère. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Pourquoi, Franck? Comment peux-tu me faire ça? Pourquoi? Elle l'a choisi à ma place parce qu'il travaille dans une compagnie réputée. Et il détient un appartement. Alors, je ne suis qu'un pauvre chauffeur de taxi qui vit encore sous le toit de ses parents.
Mon père dort enfin. Ok. Mes parents t'ont vraiment apprécié, tu sais. Tu crois? Allez, voyons, je le sais. Maman ne cesse pas de dire qu'est-ce qu'elle est jolie. Apparemment, mon ex était un monstre. Excuse-moi. Oh, c'est mon boss. Allô, monsieur, bonsoir. Ouais, monsieur, je... Non, je suis encore chez mes parents. Maintenant? Non, ça va. J'arrive. Ouais, d'accord, monsieur, à tout à l'heure. Bye. Mon boss vient d'appeler, il y a une urgence, il y a un souci au bureau. Oh. Je dois y aller. Walter! Walty! Ouais, frangin! Ça ne te gêne pas qu'il te dépose? Tu en es sûr? On peut y aller ensemble, mais j'ignore combien de temps je mettrai. Si ça ne va pas me déranger de m'accompagner, c'est bon. Hey, Walty! Et mon vieux, tu peux déposer l'ancien pour moi, s'il te plaît. Mon boss m'a appelé, il y a un souci au bureau. T'inquiète, je vais payer, c'est pas gratuit. Ok. Merci, frangin. Alors, comment ça va le travail? Oh, Alter, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que tu étais le frère de Frank. Genre, il m'a dit qu'il avait un petit frère. J'étais excitée à l'idée de le rencontrer, mais je ne savais pas que c'était toi. Je suis vraiment désolée. Oh, Alter, dis quelque chose, je suis tellement désolée. Walter. Maman. C'est quoi le souci? Rien. Je vais bien. Es-tu malade? Je ne suis pas malade. Je vais bien. Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas touché à ton dîner? Parce que je n'ai pas faim. En es-tu sûr? Maman, j'ai dit que j'allais bien. Okay. Je déteste les interrogations. Ok. C'est bon. Mais j'ai réalisé que depuis que tu es rentré, tu te comportes bizarrement. Es-tu sûr que rien ne s'est passé là-dehors? Je suis désolée. Je ne te poserai plus de questions. Sois juste sûr de bien te porter, d'accord? Mon cœur? Nancy? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si absent? Maman, je pense à Frank. Frank, ton petit ami? Mon fiancé. Quand est-ce que cela est arrivé? Il a fait la demande aujourd'hui. Et tu me le dis juste maintenant?
Désolée, maman. Mais on devrait être en train de célébrer. Et pourquoi tu fais cette tête d'ailleurs? Maman, il est parti au Canada aujourd'hui. Le Canada? Oui. Mais tu ne m'as rien dit. Et quand est-ce qu'il va rentrer? Je ne sais pas. Lui as-tu demandé de payer ta dot au moins? Ou un truc du genre, t'épouser peut-être avant de voyager? Et pourquoi tu dis cela? C'est un homme. Il va rencontrer d'autres femmes. On parle du Canada, là. Tu sais, tu aurais dû le convaincre de payer ta dot ou alors faire en sorte qu'il y ait un engagement. Maman. Je veux dire, il n'y a pas à s'en faire, mais tu peux toujours lui parler. Le convaincre, tu connais la tradition. Lui faire comprendre qu'il doit faire quelque chose. Salut bébé, comment tu vas? Je vais bien et toi-même? Pas mal, je viens de rentrer du boulot. Ok. Désolée, je manquais ton appel plus tôt. Walter s'est arrêté ici pour prendre mes nouvelles et mon téléphone était au salon. Je lui ai demandé de passer te voir. Eh bien, je vais le rappeler demain. D'accord. Oh, comment tu me manques. Mes bébés en parlent tout le temps. Mais c'est différent. Et ta présence physique me manque. Bébé, je veux t'embrasser, te prendre dans mes bras et te câliner. Je veux te faire des baisers. Je comprends, bébé. Moi aussi. T'inquiète, je travaille sur quelque chose et commence à passer des coups de fil. Ah oui? Oui, crois-moi. Ok. Je t'aime, Wokoma. Je t'aime aussi, jolie fille. Alors, je te rappelle plus tard, ok? Bye-bye. Nous y voilà. Ouais. Merci beaucoup une fois de plus. Merci, non, Walter. Je t'en prie. Au fait, okay. Nancy. Oui? Tu sais, j'attends toujours et j'espère qu'un jour, tu me diras oui. Walter, tu es toujours sur ça? Oh, non. Je pensais sincèrement que t'étais passé autre chose. Peut-être que toi, mais moi, je suis toujours intéressé. Mon cœur t'appartient toujours. Je pense à toi chaque jour, Nancy. Walter, s'il te plaît, passe autre chose. Je t'en prie, je te le dis encore de la façon la plus gentille qui soit. Passe autre chose. Je suis avec ton frère. Oui, Nancy, je comprends. Mais c'est tellement difficile. Je ne peux cesser de penser à toi. Walter, s'il te plaît, passe autre chose. Je t'en prie, fais-le. Arrête de faire une fixation sur moi. Va de l'avant. Il y a tellement de belles filles intelligentes et élégantes là d'ailleurs, je t'en prie. Je sais, mais ce n'est que pour toi que mon cœur bat. Non, je suis en couple avec ton frère. Je suis avec Franck. S'il te plaît, Walter, ce n'est pas bien, passe à autre chose. Merci beaucoup pour tout ceci, je suis reconnaissante. Je vais continuer d'attendre.
Un bon après-midi, papa. Bon après-midi, ma chérie. Je t'ai cherché, mais ta mère m'a dit que tu étais sortie. Oui, j'étais au supermarché, acheter quelques trucs. Oh, d'accord. Parce que je voulais discuter de quelque chose de très important avec toi. Oh, d'accord. Oh, d'accord, papa. Écoute, ma chérie. Mon ami, Chief Onokube, tu le connais, est venu me voir. Ok. Eh bien, il m'a dit qu'il venait te voir particulièrement. Il est venu me voir? Eh ben, oui. Il m'a dit que son fils JK, qui travaille dans une banque, voudrait t'épouser. Et en plus, il est d'accord. Papa. Oui. Papa, n'encourage pas la conversation dans ce sens parce que ça ne va pas marcher. Eh ben, pourquoi, ma chérie? Parce que je suis dans une relation sérieuse. Waouh! Tu peux m'en dire plus? Vraiment? Et qui est-ce? Il s'appelle Fran. Mmh. Fran Ozomba. Mmh. Et il est actuellement au Canada. Waouh! Il est parti il y a quelques mois. Vraiment? Et a-t-il l'intention de t'épouser? Bien, il m'a fait sa demande avant de partir. Une demande? Oui. Et tu ne m'as rien dit? Papa, j'allais te le dire. Mmh. Alors? Mmh. Tout est déjà réglé. Ok, va déposer ce que alors, tu voulais. Non, papa, il faut le dire à ton ami. Ah, ma chérie, lâche cette affaire, nous allons en discuter. D'accord, papa. Dis à ta mère que je voudrais la voir. D'accord. D'accord, ma chérie. Ah. Les jeunes gens de nos jours, il m'a demandé un mariage. Ah. Welcome. Mon bébé, comment tu vas? Je vais bien. J'étais en salle de sport plus tôt dans la journée. Wow! Tu étais à la gym aujourd'hui? Oui. Maman m'a dit que j'ai pris un peu de poids, alors il fallait que j'aille à la salle de gym pour aller en perdre un peu. Ok, je vois. Eh bien, c'est important d'exercer le corps de temps en temps. Je viens de rentrer des cours et je vais bientôt au travail. Oui, welcome. Il y a quelque chose dont je veux parler avec toi. Bien, depuis que t'es parti, j'ai eu 4 prétendants qui sont venus demander ma main, mais je les ai tous congédiés. Et mon père commence à s'inquiéter. Il a dit que je devais en choisir l'un d'entre eux et l'épouser, tu vois. Ah, viens-tu parler de moi? Je l'ai fait, mais tu sais que le fait que tu ne sois pas là semble assez bizarre pour lui, et il est très suspicieux. Alors ma mère a demandé que je te dise de faire venir tes gens voir ma famille pour prouver que tu es sérieux. Bien sûr que je suis sérieux, c'est la raison de mon appel. Ah oui? Oui. Je veux commencer les démarches pour ton voyage. Et tu vas venir en tant que ma femme. Donc je vais te adopter faire le mariage civil. Te présenter en tant que mon épouse pour leur faciliter la tâche qu'elles te donneront le visa. Tu vois, c'est ce que m'a dit mon agent. Ok, alors quand est-ce que tu reviens? Revenir? Non, je ne reviens pas. Je ne comprends pas. Tu parles de mariage coutumier, mais comment comptes-tu le faire si tu n'es pas là? Walter va me représenter durant tout le processus. Je connais quelqu'un qui l'a fait et ça a marché. Walter? Et tu es sûr qu'il va le faire et qu'il va accepter? Pourquoi pas, bien sûr qu'il le fera. Je lui en ai déjà parlé, il est d'accord. Ah, vraiment? Oui, je n'ai rien du tout. Je lui ai dit quoi faire et il est d'accord. Tu sais, il vit maintenant chez moi, tant que moi. Oh oui, tu me l'as dit plus tôt. Ok. Ok. Ça a l'air bien. Et très bien. Alors, on se parle plus tard. Bye bye. Qui est-ce? J'arrive. Oh. Hey. Salut, Nancy. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Allez, assieds-toi. Waouh. Allez, prends place. Ok. Merci beaucoup. Tu te portes bien? Bien. Mm. Aujourd'hui, c'est dimanche et je vois que tu n'es pas allé à l'église. Oh, oui. Je me suis levé très tard et fatigué, c'est pourquoi. Mm.
Belle excuse. Voyons, c'est pas ça. Je te promets d'aller à l'église dimanche prochain. Et pas de problème. J'ai travaillé hier soir jusqu'à minuit, voilà pourquoi je suis Tu travailles souvent aussi tard? Non, non, pas vraiment. J'ai fini vers 22h. Hier, c'était juste un imprévu. Laisse-moi t'apporter un truc à boire. Non. Oh, voyons, c'est sûr. Ça va, c'est bon. T'en es sûr? Je t'assure. En fait, je suis là à cause de ce qu'a dit Franck. Oh, Franck. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bien. Il a dit que tu acceptes de le représenter à ma dot et à la cérémonie de notre vin d'honneur. Ouais, il t'a aussi parlé du mariage civil. Oui, le mariage civil également. Mmh, ouais, je vais lui apporter mon aide. Merci. Frère, pour l'amour du ciel. Walter, je te suis reconnaissant. Et voyons. Merci voyons, beaucoup. Voyons, mon fils. C'est rien. Je suis content pour vous. D'ailleurs, il m'a dit qu'il veut que tu le rejoignes au Canada, c'est vrai? Oui. Oh, wow. Je suis heureuse. Merci, je suis très heureuse. Très bien. Vraiment, je suis très heureuse. Le meilleur. Hey, je prie qu'à ton arrivée là-bas, tout se passe merveilleusement bien pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous garde, vous protège Amen. Et vous fasse croître tous les deux. Amen. Je vous souhaite le meilleur. Merci, Walter. Voyons, c'est Merci. Rien. Alors, puis-je t'offrir quelque chose à boire maintenant, s'il te plaît, ne dis pas non. Peut-être de l'eau. De l'eau. Juste de l'eau, oui. Donne-moi un instant. Ah, ma puce. Hey, papa. Tu es encore réveillée? Oui. Oui, je voudrais savoir, est-ce que ta belle famille vient toujours demain? Mais bien sûr. Pourquoi tu demandes? Eh bien, c'est un événement traditionnel. Nous devons être bien préparés, ils viennent chez nous. Ils viendront. D'accord. Tu ferais mieux d'aller dormir. Demain est un grand jour. Je sais. Je veux juste faire une ou deux choses dans mon téléphone et puis j'y vais. Bonne nuit, chérie. D'accord. Bonne nuit, papa. Belle famille, soyez la bienvenue. Merci. Et vous êtes vraiment très beau. Merci beaucoup. Si vous ne m'aviez pas donné les raisons de votre visite, je vous aurais tous mis à la porte. Et vous êtes vraiment bien vêtus. Et c'est vraiment beau. Soyez la bienvenue, chère belle famille. Merci. Chérie. Donc, madame, félicitations. Merci, monsieur. J'ai vu votre main d'œuvre à travers lui. Je ne dis pas du tout que le père n'a pas contribué. Mais ce que je dis, c'est que vous avez fait la plus grosse partie du job. Merci beaucoup. Et vous savez ce qu'on dit chez nous. Mm-hmm. Vous avez fait votre part, mm-hmm. mais la sienne était plus grande. Vous êtes tellement drôle. Ok, belle fille, oui. Je comprends. C'est à cause. Je savais pas que tu avais posé tes yeux sur elle. Mais je te préviens, c'est la femme de quelqu'un. En parlant. Vous savez, il y a des choses que l'on prend sur une terre étrangère. Et l'on ne peut tirer que le meilleur sur une terre étrangère, pas vrai? Puisque vous avez vu ce pourquoi vous êtes venu. Oui. Mais nous aussi, nous voulons savoir qui est venu pour ce pourquoi vous êtes là. Et j'espère que c'est ce que vous avez vu que vous voyez. Vous me tirez des balles, c'est ça? Ah! C'était pourquoi j'étais en train de faire tout ce que j'ai fait. Ma fille, je vais maintenant t'envoyer en mission. Tu vas aller maintenant me chercher cet homme-là qui te fait passer des nuits blanches. L'homme qui t'a raconté toutes les histoires.
afin qu'on puisse nous aussi le connaître. oui. Oh, ma fille, c'est pour moi. Eh oh, Maïssa. Ma belle fille. Oui. Maintenant que tu l'as trouvé, tu bois et tu le fais boire. Et après quoi, tu le ramènes ici. Veuillez les applaudir. Il faut tout boire. Oui. Voilà. Ah, on a game, le gars. Les fils de son père. Ah ah. Wow. Ah ah. Oh. Ah ah. Tu es la lumière à travers laquelle je vois. Tu es les pieds avec lesquels je marche. Voici notre fille. Et nous lui accordons sa main. Nous allons prier pour eux. Enlève ton chapeau. Nous prions que le Dieu Tout-Puissant continue à vous guider. Amen. Et comme vous vous êtes trouvés, et qu'il puisse continuer à être vos yeux. Amen. Afin que vous vous trouviez toujours dans la gloire. Amen. Afin que tu puisses toujours veiller sur Amen. Ma fille. Tu ne manqueras jamais de quoi la nourrir. Amen. Et que Dieu vous accorde la grâce d'être fécond et de procréer. Amen. Parce que c'est ce dont nous avons besoin. Salut. Hé, hey Walter, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ok. Tu es toujours aussi magnifique. Merci. Voyons. Merci. Ok, je passais près d'une boutique. J'ai vu cette jolie robe dans une vitrine. Du coup, je me suis arrêté. J'ai demandé le prix parce que ça m'a plu. Okay. J'ai su qu'elle tirait à merveille. Et finalement, je l'ai achetée pour toi. D'accord. Oh, mon Dieu, Walter, c'est tellement beau. Ça te plaît? Mais bien sûr, c'est tellement beau. Merci beaucoup. Elle me plaît tellement. Merci beaucoup. Ce n'est rien. C'est ta couleur préférée, n'est-ce pas? Et tu sais, j'aime le doré. Dans ta vie, cette robe dorée, je t'assure que je l'adore. Merci beaucoup. Merci, Walter. Ce n'est rien, ok? Ouais. Maman, viens voir ce que m'a acheté mon beau-frère Walter. Ah ah, c'est toi qui lui as demandé de l'acheter? Non. Il m'a dit qu'il roulait avant de l'apercevoir sur une vitrine, alors il s'est dit que ça pourrait m'aller. Waouh, c'est très gentil de sa part. Oh, oui. Il doit être un beau-frère très attentionné. Oui, il est. Super. Je m'apprête à aller où je t'ai dit que j'allais. Oh, déjà? Un instant. Oh, comment? Hé, hey, madame mon épouse. Tu y appelles toujours au bon moment. Tu vas? Je vais bien, et toi? Je suis dans ma petite maison et je me détends. Et devine quoi? Walter est passé et il m'a gardé quelque chose. Vraiment? Et qu'a-t-il acheté? Il m'a acheté une jolie robe. Une très jolie robe. Walter est un homme très aventureux, tu sais. Et sinon, sa femme aura vraiment plaisir. Je sais, je souhaite juste qu'il rencontre la bonne personne. Oh, d'accord, c'est bien. Donc, je vais porter cette jolie robe, faire quelques photos et te les envoyer. Elle est tellement belle, t'as pas idée. Tu sais quoi, laisse-moi faire un appel vidéo pour voir ça, d'accord? Je veux te voir dans cette robe. Ok. Laisse-moi la porter, alors. Donne-moi juste une minute que j'aille dans ma chambre.
Salut, bébé. Salut, bébé. Tu viens de rentrer? Ouais, bonsoir. Bonsoir, ça a été? Voilà, tout s'est passé comme prévu. Oh, gloire à Dieu. Après cet appel, j'appellerai Walter pour le remercier. Oui, tu devrais, vraiment. Walter a été incroyable. Ouais, c'est mon frère. En fait, je voulais savoir, veux-tu encore rester à la maison ou tu veux retourner chez tes parents? Eh bien, je suis une femme mariée maintenant. Et tu vois ma bague? Donc, je compte rester ici encore quelques jours avant de rentrer chez mes parents. Ok, tu l'es. Ok, je te tiens au courant. Je vais appeler tout le monde pour leur dire merci. Bébé, je suis tellement fatiguée. Jean, regarde-moi. Je suis exténuée. Alors, viens me faire un massage. Oh. Aller dans la salle de bain, me faire coller un bain, me laver les cheveux. Tu peux aller dans la salle de bain tout de suite. Je vais te regarder d'ici. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Ouais, cette odeur est très tentante. Je fais le dîner. Eh bien, je suis sortie de ma chambre et j'ai perçu cette odeur agréable. Et j'ai décidé de la suivre. Et tu t'es retrouvée jusqu'ici? Exact. Alors, qu'est-ce que tu prépares? Du riz et de la sauce aux œufs. Ah. Ouais. Ok. Tu veux goûter? Oui, bien sûr. Ah, doucement. Ça va. Ok. C'est assez. Mm-hmm. C'est encore très chaud. Merci. Ouais. C'est encore chaud. Oui, fais attention. Mm-hmm. Voilà le moment de vérité. Doucement. Oh mon Dieu. Mm-hmm. Walter, t'es un cordon bleu. Mm-hmm. Attends, t'es vraiment un très bon cuisinier. Ah, aucune femme ne peut se mesurer à toi en matière de cuisine. Si tu le dis. Oh mon Dieu. Attends, est-ce que ton frère sait cuisiner? Mon frère... disons que... il se débrouille. Il se débrouille? Je dois lui demander la prochaine fois que je le retéléphone. Je dois savoir. Ah, laisse-moi contrôler ça. Ok. Ne t'inquiète pas, le riz sera bientôt prêt. La sauce est prête? Ouais. C'est bon. J'ai hâte. Tu vas te régaler, t'inquiète. Mm-hmm. Walter, et comme ça, tu sais cuisiner. En effet. Fais peur. Walter, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Bébé, du calme, ok? Ne crains rien, je... Bébé? Mais qui est ton bébé? Voyons, bébé, nous ne sommes que deux dans cette maison. Allez, relax. Alors quoi? Alors je... Je voudrais qu'on consomme notre mariage. Notre mariage? Ouais. Et quel mariage? Toi et moi, nous sommes mariés, bien sûr. Il y a de cela 4 jours, tu l'as oublié. Voyons. Walter, c'est une blague ou quoi? Ce n'est pas une blague, je suis sérieux. Alors t'es saoul? Ah, voyons, bébé. Arrête ça, s'il te plaît, viens te coucher. Tu sais quoi? J'ai attendu ce moment il y a longtemps. Allez, viens. Walter, je ne suis pas mariée à toi. Ah. Il n'y a rien à consommer ici. Si tu veux du sexe, va le chercher ailleurs. Pour l'amour de Dieu, je suis mariée à ton frère. Voyons, Nancy. Tu n'es pas mariée à mon frère. C'est avec moi. Je suis ton mari et tu es ma Walter, femme. Walter, sors de ma chambre. Oh, mon Dieu. Sors de ma chambre! Toi, tu ne peux pas continuer à me refuser ton corps. C'est mon droit conjugal, tu le sais. Allez, viens. Walter, je t'ai demandé de sortir de ma chambre. Falcon! Thank you.
C'est d'accord. Je vais partir. Disons juste que tu n'es pas encore prête. Peut-être tu as besoin de plus de temps pour te ressaisir. Sur ce, je te le donne. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es ma femme désormais. Et rien, ni personne, ne peut rien faire. Et je t'aime, néanmoins. Walter, ça. Bonjour. Ouais, bonjour. J'espère que t'as passé une bonne nuit. Oui. J'aimerais te dire quelque chose. Ok, vas-y. Ok. Je vais prétendre que ce qui s'est passé hier nuit n'a pas eu lieu. Alors s'il te plaît, et que ça ne se répète plus. Hé, hey, voyons. Comment peux-tu dire de telles choses? Bien sûr qu'il s'est passé un truc. Je suis allé dans la chambre de ma femme pour consommer notre mariage, mais... elle ne m'a pas permis d'avoir son joli corps sexy. Walter, je suis confuse. Et qui est ta femme? Tu es ma femme. Tout le monde le sait. Tout le monde. Personne ne sait rien. Je ne suis pas ta femme. Est-ce que ce n'est pas drôle? C'est une blague? Drôle? Voyons, Nancy. Je ne suis pas un clown. Je n'amuse pas la galerie. Je suis sérieux. Et très sérieux. Pour la dernière fois, Walter, je ne suis pas ta femme. Je suis celle de ton frère. Je ne sais pas à quoi tu joues, mais je t'en prie, arrête. S'il te plaît, Nancy. Les faits sont là. Les preuves le sont aussi. Tu es ma femme. Et rien, ni personne ne peut changer cela. Passe une bonne journée, mon amour. J'ai appris que Chelsea pourrait virer son nouveau coach. Oh. Vraiment? Une chose qu'il aurait dû faire il y a longtemps de cela. Je veux dire, ce coach n'est pas bon. Il est nul. Mec, ne dis pas pareille chose. J'ai appris que les propriétaires du club ne lui donnent pas assez d'argent pour acheter les joueurs de son choix. Parce que, mec, nous parlons bien là de la première ligue. T'es sérieux? Oui. Qu'est-ce que tu me dis là? Oui. Mais ils ont acheté 3 gardiens récemment. Je ne comprends pas, explique-moi. Voyons, Dave, ne parle pas de la sorte. Nous parlons bien de la première ligue, la plus grande ligue du monde, avec 3 gardiens. Et puis, donc? Désolé. Allô, Nancy? C'est ma femme au téléphone, c'est ma femme. Ouais, c'est elle. Oui, Et voyons, bébé. Voyons, qu'est-ce que tu... dis-moi ce que tu veux. Les clés? Tu n'es pas sorti avec? Ah, d'accord. J'ai donné les miennes au gardien de la sécurité. Demande-lui de te les remettre. Voilà. Ah, mon ami est juste là. Dis bonjour à ma femme. Oh. Ouais. Allô? Dis bonjour. Notre femme. Allô? Allô? Oh, je pense qu'elle a déjà accroché. Ah, les femmes. Peut-être qu'elle est occupée. Elle cuisine probablement pour son mari. Vraiment? Wow. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Je lui parlerai plus tard. Elle l'est. Alors, comme je le disais, si vous avez pris... Lewandowski est le numéro 1. Il est meilleur que tous ces... Salut, mon amour. Ton chéri est de retour. Walter, je t'en prie au nom de Dieu. Arrête avec ce que tu fais. Oh, qu'est-ce que je fais? Tu sais de quoi je parle. Arrête de dire aux gens que je suis ta femme. Laisse-moi te poser une question. Qui suis-je pour toi? Tu es mon beau-frère. Mais nous sommes légalement mariés. Ah, mon Dieu. Walter, qu'est-ce que tu dis? Tu y as simplement remplacé ton frère. C'est ce qui s'est passé. Écoute.
Toi, Nancy Umata, tu es ma femme. Et personne ne peut effacer cela. Excuse-moi, en passant. S'il te plaît, fais-moi manger. J'ai faim. Je t'aime, chérie. Walter! Je vais bien, et toi? Très bien. Comment va Walter? Où est-il? Bébé? Ça va, il va bien. Ok. J'ai lancé la procédure de ton voyage. S'il te plaît, donc tu scannes le numéro de ton passeport et de ta carte d'identité et tu me les envoies, ok? Ok. Je vais le faire de suite. Ok. Je te rappelle plus tard, je dois sortir. D'accord. Pas de soucis. Passe une bonne journée. Bye, je t'aime. Ok. Walter, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que tu parles? Et qu'est-ce que ton nom fait sur mon acte de mariage? Tu étais censé enregistrer ce mariage au nom de Franck. Écoute, tu es ma femme. Franck t'a arraché à moi. J'ai juste repris ce qui m'appartient, c'est tout. Jésus-Christ. Walter, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je réclame juste ce qui m'appartient. Je ne suis pas ta femme. Je ne l'ai jamais été. Walter, arrête ces bêtises. Sur le point de m'accepter. Oui, tu allais m'accepter. Avant qu'il n'arrive, t'es blasé avec son argent. Oh, parce qu'il est plus riche que moi, n'est-ce pas? Il a de l'argent. Walter, ce n'est pas vrai. Je l'ai accepté parce que je l'aime. J'ai connu des gars plus riches que lui. Est-ce que je les ai choisis? Non, j'ai choisi Franck. Assez de cette discussion, Nancy. Ça suffit. Le fait est que désormais, tu es ma femme et c'est tout ce qui compte. Walter, je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme et tu n'avais aucun droit de mettre ton nom sur cet acte. En ce qui me concerne, Franck est mon mari. Franck ne peut pas être ton mari, car mon nom est inscrit sur le certificat. Ça n'aurait aucun sens. Écoute-moi, il y a tellement de preuves de notre mariage. C'est partout. Et il est grand temps que tu réalises que je suis ton mari. Et je t'aime beaucoup. Énormément. Ne lui a-t-il pas dit ce qu'il devait écrire sur l'acte de mariage? Ne lui a-t-il pas dit? Papa, il lui a dit. Il savait qu'il devait écrire le nom de mon mari, Franck, sur l'acte. Il a juste été malicieux. Est-ce qu'il a un quelconque problème avec ton mari? Je ne sais pas. Mon mari n'a aucun problème avec lui. Ok, d'accord, d'accord, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Andy. Je vais parler avec lui, d'accord? Et enfin, nous pourrons résoudre ce problème une fois pour toutes, ok? Oui, papa. Surtout, ne t'inquiète pas, ok? D'accord, papa. Ce problème sera résolu. D'accord? Ah! Andy, Andy. Oui. Et merci encore d'être venu. Alors, comment va, madame? Ah, bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Bien. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Ah, de toute façon, des problèmes, ça et là. Allez, assieds-toi. D'accord. Assieds-toi. Merci. Eh bien, Andy? Oui. Il y a de cela 2 mois, tu es venu demander la main de ma fille avec ta famille. Oui. Lequel de tes fils est le mari de ma fille? Franck. Celui qui est au Canada? Oui. Y a-t-il un problème? Bien sûr, il y a un problème. Ton fils Walter qui est au Nigeria, eh bien, il réclame qu'il est le mari de ma fille. Walter? Oui, Walter. Mais c'est impossible. Mm. C'est Franck, le mari. Walter l'a simplement représenté. Oh, vraiment? Oui. Il y a de cela 2 jours, ma fille m'a dit que le nom qui figure sur l'acte de mariage est celui de Walter et non celui de Franck. Ce n'est pas possible. Tu crois? Ce n'est pas possible?
Il y a un problème. Salut. Tu ne veux pas parler à ton mari? Ok, prends ceci, s'il te plaît. Walter, je ne veux pas t'en vain. Juste laisse-moi tranquille. C'est évident que tu m'en veux. Laisse-moi t'expliquer. Nancy, je t'aime. Je t'aime tellement. Tu es ma vie. Tu es tout ce que je veux en une femme. S'il te plaît. Dégage de mon chemin. Walter, pourquoi as-tu fait enregistrer l'acte de mariage à ton nom, au lieu du nom de ton frère Frank? Parce qu'elle est ma femme. Qui est ta femme? Votre fille, monsieur. Walter, je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Je suis celle de ton frère. Andy? Oui. Tu es venu ici avec ta famille? Oui. Pour payer la dot de ma fille? Ceci au nom de Frank. Oui. Est-ce que ce n'est pas ce que tu as fait? C'est exact. Je lui ai donné l'argent pour la dot. Je la ferme! Tu vas la fermer? Frank a fait un virement dans ton compte. Tu l'as retiré et tu me l'as donné. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Papa. Oui. La question est, qui t'a donné cet argent? Qui? Était-ce Frank ou moi? Jeune homme, est-ce que tu essayes de voler la femme de ton frère? Merci de lui poser la question. Frank m'a volé cette femme. Mais Dieu merci, je l'ai à présent. Qui t'a volé quoi? Qui t'a volé ta femme? Frank, je l'ai rencontré le premier. Je suis tombé amoureux d'elle le premier. Et puis Frank est sorti de nulle part. Il me l'a prise entre les mains, juste parce qu'il est plus riche que moi. Et a promis également de l'amener au Canada. Demandez-lui, elle est là. Malgré cela, elle n'a jamais promis de t'épouser. Ma puce. Oui, papa. Est-ce que tu as rencontré ce jeune homme en premier? Oui, papa. Vous avez entendu, maintenant? Serais-tu en train de dire que tu l'aurais accepté? Avant de rencontrer Frank? Mais non, ce n'est pas du tout ce que je dis. Genre, je l'ai rencontré. Nous avons eu juste un rencard, hein? C'était trop tôt pour savoir si je l'aime ou pas. Ah, mais avec Frank, ça a été instantané. Je l'ai aimé à l'instant. Pas parce qu'il est riche ou qu'il m'a promis de m'amener au Canada. Nancy, ça c'est un mensonge. Tu le sais, c'est un mensonge. Et comment le sais-tu? D'accord. Ok. Andy, toi et moi devons absolument résoudre ce problème. Je suis d'accord. Je pense que tu as raison. Ok. Maintenant, cette réunion est terminée. Hey bébé, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça va. J'ai regardé les mails. Je n'ai pas vu les documents que je t'ai demandé. Non, je n'ai pas oublié. Bébé, il y a un très gros problème qu'on essaie de résoudre en ce moment. Que tu sais que l'acte de mariage est au nom de ton frère? De quoi est-ce que tu parles? Je t'assure, Walter a enregistré l'acte de mariage en son nom. Quoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Ah, maintenant, il dit être mon mari et pas toi. Attends, c'est une blague? Non, c'est impossible. Dis-moi que c'est une blague. Walter est vraiment en train de tester ma patience en ce moment. Allô? Allô, Frank? Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Je comptais t'appeler ce soir pour qu'on en parle. Pardon? Oh, tu dis que tu l'as appelé et t'as raccroché au nez? Frank, écoute, calme-toi, je sais.
Franck, calme-toi. Nous allons en parler. Calme-toi, Franck. Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez. Qu'est-ce qui se passe là? Walter. Walter? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ton frère dit que tu ne prends pas ses appels, tu ne réponds pas à ses messages. En effet, je ne veux juste pas parler avec lui pour le moment. Eh bien, il a demandé que je te dise que tôt le matin, tu sors de sa maison. Ah bon? Oui, il a dit. C'est ce qu'il a dit? Oui. Ok, bien, je partirai, mais tu devras venir avec moi. Je ne comprends pas. J'ai dit que tu viendras avec moi. Je ne peux pas habiter ailleurs quand ma femme vit dans la maison d'un autre homme. Ça n'a aucun sens. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague, Nancy. Nancy, Nancy, je t'aime tellement. Peux-tu comprendre? Pourquoi tu ne me comprends pas? Je ne peux pas vivre sans toi. Walter, demain matin, tu sors de cette maison. Je ne partirai pas sans toi. Je te le dis. Je sais qu'avec le temps, tu finiras par m'aimer, je le sais. Je t'aime tellement. Et quitte cette maison, Walter. Tu viendras avec moi. Je n'irai nulle part sans toi. Chérie, tu es juste partie de la maison comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, il fallait que je parte. Il fallait que je quitte cette maison. Je ne pouvais pas supporter rester sous le même toit que Walter. J'ai peur de lui. N'importe quoi, arrivant n'importe quel moment. Je suis vraiment désolée, hein? Je comprends, mais est-ce que tu vas bien? Je ne vais pas bien, je ne peux pas dire que je vais bien, maman. Genre, je ne comprends pas pourquoi Walter se comporte comme ça, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais quoi dire, mais honnêtement, si tu ne te sens pas à l'aise, tu peux revenir ici. Ce n'est pas un problème. En fait, il fallait que je parte, là il fallait. Mais tu peux rester ici autant que tu veux, tu n'as pas besoin d'y retourner. Salut, ma puce. Walter, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai appelé, mais tu ne décroches pas mes appels. Parce qu'on n'a rien à se dire. Je sais que tu es toujours en colère contre moi. Mais je suis vraiment désolé. Vraiment désolé, Nancy. Tout ce que j'ai fait est né de l'amour profond que je ressens pour toi. S'il te plaît, Walter, qu'est-ce que tu veux? Ok, je veux aller droit au but. Je suis venu t'informer que j'ai loué un appartement meublé, juste pour toi et moi. Alors j'aimerais que tu me rejoignes là-bas parce que tu es ma femme qui sont de démarrer une autre vie. Une nouvelle vie ensemble. Ah, Dieu va punir ce studio que tu as loué. Le Dieu que je sers va punir ce studio que tu as loué. Nancy. Walter, sors. Nancy. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? S'il te plaît, va-t'en. J'ai dit va-t'en. Dégage. Je... Tu vois les jeunes d'aujourd'hui? Tu vois ce qu'ils font? Ils se précipitent trop. Qu'est-ce qui se passe? Mais le monde se précipite. Mais comment le monde peut-il se précipiter? Je ne saurais... Nancy, viens par ici. C'était qui? Personne d'important. Personne d'important? Il s'est passé quelque chose. Hmm? Personne d'important. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Tu ferais mieux d'aller voir. Il dit avoir loué un appartement et veut que j'aménage avec lui. Vraiment? Oui. Walter! Walter te l'a dit? Oui. Désolée chérie, je ne t'ai pas dit.
Hier, il est venu à la maison déposer les clés de l'appartement de Frank, qu'il a décidé de partir. Qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas éduqué ce garçon pour qu'il soit aussi stupide. Jésus-Christ. Hein? Honnêtement, je... Frank? Oh, comment? Bébé, je ne comprends pas. Quand je t'ai présenté à mes parents que tu l'as rencontré là-bas, tu m'as simplement dit qu'il t'avait porté une ou deux fois. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il avait des sentiments pour toi? Franck, je suis désolée. Mais non, désolé ne va rien résoudre. Pas du tout. Tout est devenu compliqué maintenant quand tu manques de révélations. Si j'avais su qu'il a des sentiments pour toi, je ne lui aurais jamais demandé de me représenter au mariage. Non, Franck, c'est de ma faute. Je suis désolée. Désolée. Pourquoi tu signais l'acte de mariage si tu savais que son nom était là-dessus? Je n'ai pas vu son nom. Honnêtement, je n'ai pas vu son nom. Je n'ai pas vérifié ce que je signais. Je savais juste que voilà mon acte de mariage et je l'ai signé. Pensant que c'était ton nom, je ne savais pas que... Nous disons la même chose. Comment peux-tu signer un document sans toutefois l'avoir lu? Honnêtement, Franck, je n'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu faire une chose pareille. Je ne l'aurais jamais imaginé. J'étais discrète par les photos, les paparazzi, la musique, tout. Je ne pouvais pas imaginer que Walter allait faire une chose pareille. Je suis vraiment désolée. Je sais que oui, c'est de ma faute, je suis à blâmer, je suis vraiment désolée. La seule fois que j'ai regardé cet acte, c'était bien après le mariage, quand tu m'as demandé de le prendre en photo et de te l'envoyer pour préparer les documents de mon voyage. Je suis vraiment désolée. C'est bon, Franck. C'est bon, bébé, c'est bon, c'est juste que je ne voulais pas être si dur avec toi, c'est aussi stressant. Je ne devrais pas être ici maintenant, je ne devrais pas être dans ce pays en ce moment. Je sais, je sais. Allons-y, allons-y, allons-y. Franck, je suis désolée. C'est bon, bébé. Je suis également désolée. On va régler tout ça. Franck, nous t'avons entendu. Walter, donne-nous ta version de l'histoire. Bien. Je l'ai rencontré le premier et je suis tombé amoureux. Je lui ai fait ma demande. Elle était sur le point d'accepter jusqu'à ce que Frank ne sorte de nulle part. Il a embrouillé avec son argent. Et quand j'ai eu l'opportunité, j'ai pris ce qui m'appartient. Et c'est tout. Ma puce. Oui, papa. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tu as entendu ce que Frank a dit? Qui des deux dit vrai? Papa, c'est vrai, j'ai rencontré Walter en premier. Il m'a invité à un dîner, j'ai accepté. Et tout au long du dîner, il m'a... demander si je veux bien sortir avec lui pour de vrai. Et je ne lui ai donné aucune réponse jusqu'à ce que je rencontre Frank, sur qui j'ai flashé instantanément. Alors j'ai revu Walter et je lui ai fait comprendre que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ignorais qu'ils étaient frères, je ne savais rien de tel, mais j'ai été honnête avec lui dès le départ, et que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, dont je ne comprends pas son comportement. D'accord. Et qui a payé ta dot? Frank l'a fait. Je l'ai fait. C'est un mensonge. Je t'ai envoyé l'argent pour payer sa dot. L'argent que tu m'as envoyé est dans mon compte. Si tu veux, je te le donne. Donne-moi ton numéro de compte. Ferme ta gueule! Sais-tu que ce que tu racontes est une abomination? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que tu le supportes. Tu l'as toujours supporté, je le sais. Ok. Walter. Nous allons résoudre ce problème selon la coutume. Et dans notre tradition... Tu ne peux pas du tout épouser une femme en lui racontant des mensonges. Voilà. Et tu ne peux pas du tout épouser une femme à travers la mauvaise porte. Voilà. Et tu ne peux pas du tout épouser la femme de ton frère en lui faisant croire que tu es ton frère. Voilà. Voilà. À cet effet, coutumièrement, elle est la femme de Frank. Alors c'est ça, je suis son mari. Mon nom est sur le certificat du mariage et rien ne pourra le changer, peu importe ce que vous ferez. Walter! Ceci est notre tradition. Et nous devons la respecter. Oui! Elle est la femme de Frank. Merci, exactement. Papa. Alors c'est ça. Je suis son mari et rien ne pourra le changer, rien. Walter! Sois la bienvenue à la maison, Frank. Et tu es libre de prendre ta femme. Tu as fait toute la cérémonie traditionnelle. Et ma femme et moi t'avons respecté avec ce que tu as apporté.
Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour ramener ma femme. Et si tu ne me la rends pas maintenant, je te le dis sincèrement, ça finira au commissariat. Walter, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Tu m'as toujours tout pris dans la vie. Absolument tout! Pourquoi? C'est juste parce que tu es mon grand frère. Mais tu vois ici, tu as menti. Tu ne pourras pas l'apprendre. Pas question. Écoute, je n'avais aucune idée que tu avais quelque chose avec elle quand je l'ai rencontrée, ok? N'importe quoi. N'importe quoi. Va te trouver une autre femme. Laisse-la. Elle est à moi. Sors de chez moi. C'est d'ici la fin de la journée. Elle n'est pas chez moi. Tu auras affaire à moi. Waouh! Fais-moi voir ça, mon frère chéri. Tu veux voir? D'accord. C'est ce qu'on verra. Si tu ne ramènes pas ce gars à l'ordre, je vais l'amener hors de cette ville. Oh, Franck, tu es mon fils. S'il te plaît, calme-toi. Calme. Je suis calme. Mais je ne peux plus supporter ces conneries, papa. Je ne peux plus le faire. Comment peut-il embarrasser ma femme de la sorte? Alors, où est Nancy en ce moment? Elle est à la maison, je l'ai déposée. Bien, un instant, j'appelle Walter. Il ne décroche pas. Tu vois, papa, tu vois. J'ignore ce que maman et toi allez faire. Mais dites-lui d'arrêter de tester ma patience. Avec tout votre respect. Calme-toi, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, calme-toi, s'il te plaît. Hein? Nancy, va à l'étage, prends tes affaires et allons-y. Tu as perdu la tête? Hé, toi, ferme-la! Je ne t'ai pas sonné, je parle à ma femme. Walter, je t'en prie pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas d'embrouille. Bébé, je ne suis pas venu là pour faire des problèmes. Je suis juste venu te ramener dans la maison de ton mari. Je vois que le fait de raconter des salades a fini par affecter ton cerveau parce que tu as totalement perdu la boule. Qu'est-ce qui te donne le droit de débarquer chez moi et de faire toutes ces demandes? Fais ce que tu veux. Que je fasse ce que je veux. Oui, parce que je ne pars pas, c'est ça ma femme. Non, non, non. Si tu t'approches, je te frappe. Non, non, non. Bébé, s'il te plaît. Écoute, bébé, je ne suis pas le diable. Cet homme est un manipulateur. Je veux juste te ramener à la maison. Va-t'en. Si tu t'approches bébé, de moi, Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé, non, non, non. Et tu sais quoi? S'il te plaît, rentrons dans la chambre. Remontons dans la chambre. Fais-toi assistant, rentre de faux, bébé. Bébé, on va reprogrammer. On va reprogrammer. S'il te plaît, calme-toi. Il cherche une bagarre, s'il te plaît, ne lui donne pas cette satisfaction. Toi! Allez, ferme ta gueule! Après tout ce que j'ai fait pour toi! Qu'est-ce que tu feras? Tu m'as volé ma femme! Elle est à moi! Elle est à moi! Tu l'as volée parce que tu es plus riche que moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas à toi, Walter. Bébé, allons-y. Sache que je ne partirai pas d'ici! Walter, pars d'ici! Je ne partirai pas d'ici! Pars d'ici! Va à l'étage et fais tes valises! Je ne quitterai pas cette maison sans ma femme! Je n'irai nulle part! Je t'attends! Je n'irai nulle part. Je resterai ici jusqu'à ce que tu descendes avec tes affaires. Tu retournes chez ton mari, tu retournes chez moi. Je n'irai nulle part. Franco Zurumba! Laisse ma femme tranquille! C'est ma femme! Oui! Ah, Franco!
femme tranquille, laisse ma femme. Hé hey venez voir, voleur de femme. Venez voir, venez. Tu vas la laisser. Venez, s'il vous plaît, venez voir, venez voir. C'est ma femme. Nous sommes mariés. Voleur, laisse-la. Tu n'as pas le droit de partir avec elle. Laisse-la. Laisse ma femme. Laisse-la. Laisse-la. Oh, venez, venez. Il a volé ma femme. Il a volé ma femme. Franck, Franck, c'est mon épouse. Laisse-la, Franck. Laisse-la. Tu es un voleur, Franck. Laisse-la. Hey! Laisse-la. Laisse ma femme. Bébé. Oh, comment tu as été comme ça toute la journée? Quel est le problème? T'as regardé les réseaux sociaux? As-tu regardé les réseaux sociaux récemment? Walter t'a posté. Elle cherche à ruiner ta vie pour de mauvaises raisons. Bébé, je sais ce qui se passe en ligne. Je le sais. Tu ne dois d'explication à personne. Pas besoin. Nous savons tous les deux la vérité. Oui, je t'ai épousé, toi et pas ton frère. C'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie. J'étais supposé être au Canada, en train d'étudier, travailler, travailler sur ton plan tu de voyage. Tu peux retourner au Canada et je vais essayer de voir comment résoudre ce problème avec ton frère. Ça a l'air facile. Tu ne connais pas Walter, il est aussi persistant. Bébé, viens manger avant que ton repas ne refroidisse. Je n'ai pas faim. Mais tu n'as rien mangé de toute la journée. Parce que je n'ai pas faim. Bébé. S'il te plaît, comment? Chérie, s'il te plaît, pas maintenant, ok? Je vais bien. Walter, j'aimerais qu'on parle. Ok, je suis tout de suite. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Bien sûr, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Ok. Et tu ferais tout pour moi? N'importe quoi. Y compris. Et te battre avec ton frère de sang? Si tu vois les choses ainsi. Walter, je ressens la même chose pour Franck. Je suis prête à faire n'importe quoi pour être avec lui. Alors, le fait que tu essayes de créer des problèmes entre nous, c'est juste, je ne sais pas, c'est juste une perte de temps pour toutes les personnes impliquées. Comment peux-tu vouloir être avec quelqu'un qui en aime un autre? Même la Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Et Walter, nous n'avons pas convenu. Tu es amoureux de moi, je suis amoureuse de Franck. J'aurais souhaité que tu rassembles toute l'énergie que tu dépenses sur moi pour trouver une autre femme qui va t'aimer et t'offrir en retour le genre d'amour que tu auras pour elle. Walter, tu es une très bonne personne. Tu es un homme très gentil. Je sais bien qu'il y a quelqu'un là d'ailleurs qui va t'aimer pour le genre de personne que tu es. Je ne t'en veux pas de m'aimer. Je ne t'en veux pas pour tout ce qui est arrivé jusqu'ici. Mais s'il te plaît, Walter, laisse Franck et moi tranquille. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, je le sais. Et l'amour nous fait commettre des folies. Je le sais. Je suis prête à faire n'importe quoi pour Franck. Alors, s'il te plaît. Juste laisse Franck et moi tranquille, s'il te plaît, Walter. S'il te plaît. Je t'aime en tant que personne et c'est tout. J'aime Franck, je suis amoureuse de lui. Je suis amoureuse de ton frère. S'il te plaît, Walter. Tu es un homme bien, un homme attentionné. Et je sais qu'il y a une femme là d'ailleurs qui va t'aimer et apprécier tout ce que tu as à offrir. S'il te plaît, Walter. Walter, je ressens la même chose pour Franck. Je suis prête à faire n'importe quoi pour être avec lui.
Alors, le fait que tu essayes de créer des problèmes entre nous, c'est juste, je ne sais pas, c'est juste une perte de temps pour toutes les personnes impliquées. Comment peux-tu vouloir être avec quelqu'un qui en aime un autre? Même la Bible dit, Dieu et son marche-t-il ensemble sans en être convenu? Et Walter, nous n'avons pas convenu. Tu es amoureux de moi, je suis amoureuse de Franck. J'aurais souhaité que tu rassembles toute l'énergie que tu dépenses sur moi pour trouver une autre femme qui va t'aimer et t'offrir en retour le genre d'amour que tu auras pour elle. Walter, tu es une très bonne personne. Tu es un homme très gentil. Je sais bien qu'il y a quelqu'un là d'ailleurs qui va t'aimer pour le genre de personne que tu es. Oui, entrez, serveur. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour m'excuser pour tout ce que je t'ai fait endurer. J'ai cru que je me battais pour l'amour, mais j'ai réalisé que je ne faisais qu'être inutilement égoïste. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît. Je suis désolé. S'il te plaît, pouvons-nous arranger ça? Il suffit juste de prêter serment pour défaire et demander un changement de nom sur le certificat. Et tout redeviendra normal. Frangin, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Tu as faim? Ouais. Merci, Seigneur. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.